Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound V1.1. Quelque chose. Enfin non, V1.1.1 normalement. Oui, je crois que c'est ça, V1.1.1. Bref, nous retournons voir Esther. Je vous rappelle que la dernière fois dans la fin de l'épisode, donc dans l'épisode précédent, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait, chers amis, ensemble. Oui, il y a le truc là-dessus qu'il fallait que je scanne aussi. Voilà, hop. On a fait ensemble le manoir Apex, enfin Apex, vous le dites comme vous voulez. Et ensuite, nous... Elle saute? Ah non, j'ai cru. Et ensuite, donc on a fait de quoi tout simplement réaliser la quête des indices en faveur des glitches. Donc maintenant, on va aller chercher normalement l'artefact glitch. Donc on rend la quête, voilà, trouver les indices pour localiser l'artefact glitch, voilà, c'est ça. Le dernier indice a confirmé que l'artefact glitch, excellent, félicitations. Ok, on prend donc la quête. L'artefact glitch est dans un château, sans doute, sous la garde d'un certain... Slightly odd glitch. Et faudrait simplement aller lui parler pour avoir... Oh bah ça peut être intéressant alors si on doit simplement lui parler pour obtenir le... J'imagine ça va être la quête d'une épée. Je sais pas pourquoi je sens la quête d'une épée. Je me suis pas spoilé hein, mais je sens la quête d'une épée. Hop, ok. Tech card. J'en avais eu un deuxième. Apparemment non. Tant pis. On remonte sur le vaisseau du coup. Et donc on va aller faire cette quête glitch cette fois-ci. Et il n'en restera plus qu'un derrière, hein. Il ne nous en restera plus qu'un. Mission The Baron's Keep. Il semble que l'artefact glitch revient au propriétaire d'un petit fort sur une planète solitaire. D'accord, allons-y. Allons-y. Alors je rappelle qu'il y aura une série modée derrière, chers amis, ne vous en inquiétez pas. Il y a un coffre ici. Oh, il est tellement bien ce chapeau. Par contre, on est là pour péter des tronches, donc on va préserver notre... Il y a eu un bruit de mouche il y a deux secondes. J'ai l'impression qu'il y a eu un bruit de mouche. What the fuck. Ah, ça s'est fermé, dis donc. Si j'avais pas fait gaffe. Ici, il y a autre chose. Ah, il y a toute la tenue de Mickey, c'est cool. Je vais vous lire ça, ne vous inquiétez pas, chers amis. Hein. Je vais vous le lire, tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle disait? On a l'impression qu'il y a une mouche pas loin, c'est bizarre. Ce fort appartient à... Enfin, revient à un glitch connu en tant que baron. C'est un héros qui est parti donc en ermitage, littéralement. Et apparemment, il semble aussi excentrique. Il est possible qu'il soit un petit peu malade, un petit peu fou, hein, comme on dit, il dévisse de la boule. Hein. Mais il n'est pas dangereux. Oui, bah c'est quand même un ancien héros. Hein. Tu me dis qu'il n'est pas dangereux, je veux bien te croire, mais la porte en pierre, je l'avais ou pas? Non. Ah ah! Tout le reste, est-ce que je l'avais? Oui. Bon. Est-ce que je tente de monter à la montagne au cas où? On y va. Eh bah non, je m'arrête là. Ok, bah on est parti alors. Hello there! Bonjour! Bonjour! Wouah! Vont-ils être... Bonjour! Vous êtes quoi? Ah, ils sont pas... violents, finalement. Bon, y a une cloche, est-ce que je peux la sonner ou pas? Non, apparemment je peux pas la sonner, dommage. On récupère un petit peu le soin qu'on a perdu. Rien. Ah. Le Magic Scroll. Hop, je récupère ça. Rien. Oh, le pantalon. Et ben voilà, on aura pratiquement toute l'armure de base. Donc ça doit pas être celle-là, l'armure
L'armure qu'ils doivent nous fournir, à mon avis, hein. Alors, voici donc le baron. Ah oh, oui, il garde le truc. Affable. Je sais pas ce que dire. Eh, bonjour, étranger. Ah, tu parles trop vite. Bonjour, étranger. Bienvenue dans mon château. Je t'attendais. Depuis que tu as traversé ma porte, bien sûr. Ha ha ha, attentif. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as une quête? La chose derrière moi, oh ça, oui, je l'ai trouvée il y a quelques années. Tu ne peux pas la voir, c'est joli et je l'aime bien. Impérieux. Bien! Au revoir alors, étrange personne, Startled. Surpris. Est-ce que t'as entendu ça? Ceux qui sont. Ceux qui, ce cloquet de Vargrande, donc ça c'est les comment les. Ceux qui sont sous les capes. Ils sont de retour. C'est la quatrième fois, décisif. Ok, je te propose un marché. Tu t'occupes de ces mecs. De ces cultistes pour moi, donc oui, c'est bien les cultistes, c'est ce que je pensais. Et je te donne cette babiole brillante. Pas de soucis. Oh la vache! Ah! Ah! Hop là! C'est bon. C'est bon. Non? Oh! Salut les filles! Allez! Hop là! Hop là! La vache, ils font mal avec leurs flèches! Hop! Wouh! Hop! Alors, on est dans la merde! Hop! Boum, on les a eus. Joli. Boum. Ok. On s'en sort pas si mal. À l'épée. Outragé. Ces brigands ont amené une machine de guerre. Ils ne vont pas détruire mon vaisseau. Ils ne doivent pas détruire mon vaisseau. Tu dois le détruire cette baliste. Machine de guerre. Oh mon dieu. C'est tellement stylé. Je sais pas ce qu'il y a de plus stylé, le bruit qu'elle fait. Putain, il doit venir la pousser en plus, c'est génial. Regarde ça, pars à la force du trou noir. Tu es baisé, tu es fichu. Ah la vache. Quand ils veulent, ils font mal, hein. Technologie. J'ai dit technologie. Technologie. Ah ah, raté. Oh mon dieu. Agité. On est assiégé par une autre vague. Ils ont plus d'infanterie. Ils ont envoyé plus d'infanterie. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Un hélico? J'ai pas le temps de lire. Ah! Il y a plus de cultistes qui arrivent. Ne t'inquiète pas. Attends. Et plus d'archers. Oh non! Ils ont envoyé. Ils sont dans les cieux. Those purple curs have taken to the airs. D'accord. Donc en plus, ils ont réussi à prendre le truc. Bonjour, c'est moi. Je suis désolé, mais il y a plus de cultistes qui arrivent. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. On va t'aider. J'arrive. Mais les autres vont. I just get in the way, mais... Ah, d'accord. Ah oui, je... D'accord, ok, donc lui, il vient tout juste se lancer dedans. Oh la vache. Je prends cher. Je prends cher, je vais crever. Ah, je suis mort. Putain, ils ont pété la... Elle est dure. La baliste. Mon joli mur. Protégez mon mur. Oh la vache, c'est vachement dur, dis donc, ouais. Ah c'est épique hein, mais c'est extrêmement dur. J'ai pas envie de tout faire avec ça en fait quoi, ça le truc. Retentons l'expérience. Retentons, elle est dure dis donc, et je suis étonné, je suis vraiment étonné. Est-ce que du coup j'ai récupéré, faut que je récupère tous les objets à nouveau? Non, ils sont tous, je les ai déjà récupérés. Ok, on y va. Wouah, c'est vachement dur. On va essayer le lance-flamme, chers amis. Je veux croire au lance-flamme. Ok. Allez, lève-toi. Voilà. On a déjà entendu parler de tout ça. Alors. Voilà. Ils ont pas encore pop. Alors, où sont-ils?
Où sont-ils? Hop. Hop, je sais pas si ça va véritablement être efficace. Honnêtement. Hop, ça je les ai eu. Ok. Il y en a plus qui arrivent. Hop. Aïe. Ah. Boum. Vous me l'aviez conseillé, chers amis, je vais le faire. Je vais le faire, si vous me le conseillez, je le fais. Ah, raté. Arrière, créature. Ah, zut. Bla. Hop, arrière. Boum. Ok, au suivant. Donc voilà, ils ont amené une machine de guerre. Ah. Boum. Bitch, get out the way. Boum. Boum. Voilà. Ah mince. Il m'en a remis une. Hop, voilà, bouffe. Donc c'est là normalement qu'ils vont se faire aider par beaucoup beaucoup de monde et principalement par des ennemis aériens. Me trompe je? Je me trompe. Boum. 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 Aïe. Je l'ai bouffé celle-là. Oh salaud. Ah mais non mais. Le bâton de traverse. C'est là. On est assiégé effectivement. Hop. Soin. Incendie. On est aidé, ça y est, nos copains viennent nous aider. Pourquoi je me suis bouffé? Hop, ça fait mal hein. Ah la vache. Ils font tellement mal. Hop les. Hop. Ah. J'avais dit que je voulais pas tout faire avec cette arme. Pourquoi je fais tout alors? Ah. Je prends des coups. Aidez-moi. Hop les. Je prends beaucoup trop de coups. Boum. Arrière. Arrière. Boum. Ça s'est mieux passé que prévu. Je suis tombé dans les flammes, par contre ça c'est pas la bonne idée. Ah. Je vais me prendre un sale coup, encore. Boum. Allez, recule, recule, reculez tous. Reculez tous. Boum. Ah, je vais me la bouffer. Non. Salaud avec tes... Ah, mais... Pourquoi vous popez comme ça? Recule, 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 recule. Non! Je ne veux pas mourir, pas encore. Groupez-vous, c'est bien. Ça n'en sera que plus facile pour moi! Ha! Est-ce qu'ils ont cassé son mur? Ils ont cassé le mur! Ah! Ce combat est complètement épique! Extrêmement dur, mais épique! Ah, tellement de flèches.
Hop. Aïe. Ah. Ils sont trop violents. Ils sont trop violents. J'arrive pas. Ah. Mes amis, aidez-moi. Ah. Arrière. Cultiste. Boum. Boum. Hop. Je crois que le feu marchait bien là-dessus. Ah. Ça l'a même pas brûlé. Roquette. Boum. Ça pas suffit. Boum. C'est bon. Nouvelle vague. Non. Jubilant. Ah ah ah. Ça c'est bien fait pour eux. On a eu les derniers, on a eu jusqu'au dernier d'entre eux, d'entre ces Wretched Maggots. Je pourrais en chanter. Venez ici, je dois vous parler. Je dois m'entretenir avec vous, plutôt. On va rester dans le terme. Bonjour, je suis impressionné. Un travail brillant. Je doute que ça suffise. Qu'ils vont réussir, qu'ils vont souffrir d'une nouvelle défaite. Une nouvelle visite pour... qu'on va souffrir d'une nouvelle visite de leur part. Plutôt, attendez, je vais essayer d'arriver d'être correct. Tu me rappelles moi plus jeune. Tu as gagné un certain... What? Bone Dragon. Tu as certainement gagné ta truc, je sais pas quoi. Choqué, qu'est-ce que c'est que ce truc dans le ciel? Choqué, comment, impossible de dire un mot, enfin vous voyez, il est sans voix. Est-ce que ça passe à travers les murs? Ah putain, ça passe à travers les murs, fais chier. Peut-être que je peux lui faire casser quelque chose. Aïe. Non, c'est protégé par là. Dommage. J'ai pas eu le temps de tout lire. Mais les potes, ils sont où les potes? Les potes? Les potes? Oh mais merde! Cassez-vous! Cassez-vous! C'est ça l'astuce. Par contre, pourquoi vous repopez sans cesse? Oh la vache! Ah, et puis en plus, il est à dos de dragon lui. Hop! Ok. Qu'est-ce que ce bordel? C'est le baron? Non, c'est ces mecs. J'ai pas eu le temps de lire la suite du speech. Oh, c'est toi. J'ai envoyé un saut. Mummy sent me another errand. D'accord, ok. Donc en gros, il se plaint du protectorat et d'Esther. Oh non! Vous avez vu la tête du dragon? L'angle de la tête du dragon. Mais vise le dragon, mon dieu! Ah, mais je peux pas me faire attaquer de partout, hein. Ça va pas être possible, ça. Hein. Mais merde! Mais regardez ça! Comment voulez-vous que je me concentre sur le dragon s'il continue à popper? Ça touche? Ah, ça touche pas! Bouffe! Tu les sens, mes croquettes? Ah! Forcément. Hop. Tu les sens mes croquettes. Ah bla. J'essaie de le brûler mais je pense pas que ça marche honnêtement. Ah merde. Ah mais tous mes trucs de soins ils partent quoi. Hop. Ah. Encore. Pourquoi ces flammes ne vous tuent pas, vous? Ah. Arrête de me cracher dessus. Aïe. Tu la sens? Oh. Hop. Ok.
Essayons autre chose. Oh, il est mécanisé en dessous. Je croyais que c'était un truc en os, mais non, en fait, il est mécanisé en dessous. C'est un menteur. C'est un menteur. Hop, raté, les filles. Hop. Menteur. Pourriture. Ce n'est qu'une machine, ce n'est pas un dragon. À la manière de ces glitchs qui ne sont pas des humains. Boum. Tu vas périr sous les coups de mon bazooka. Boum. Voilà. Il en est fini de toi. Bien, on en a fini ici. De toute façon, c'était sans intérêt. Tu n'as pas réussi à stopper quoi que ce soit. Tout cela sera bientôt terminé, de toute façon. D'accord. Ok. Et donc Kossius. Avec précaution. Est-ce qu'il est parti? Est-ce que tu es encore intact? Si c'est parti, tu peux venir me parler. Enfin, j'ai besoin de te parler. Ok. C'est cool, j'en avais 60, j'en ai presque bousillé la moitié. Hein. Galvanisé. Prends l'artefact et prends-moi avec toi. Ah, oh. Oh oui. Oui, je veux te prendre avec moi. J'ai un téléporteur que tu peux utiliser, je viens avec toi. Je pense que notre business n'est pas terminé. Réflexion faite. Also, en plus, c'est réflexion faite, c'est aussi ennuyant ici. Donc bon. Ok, ah, elle est sympa. Ok, bon. Un coffre. Intrigué. Je pars dans le grand inconnu. Ok, bah le baron, bah écoute, il est cool de toute façon. Franchement, il est cool donc. Alors, capture pod, d'accord. Me dis pas que je peux capturer le dragon. Manquerait plus que ça. Est-ce que c'est ça l'objectif de cette histoire? C'est de me dire que je peux capturer le dragon? Et c'est tout ce qu'il y avait dans cet endroit? Enfin, tout. C'est relatif, tu me diras, mais. Tout. Tout est fini entre nous, nous. Non? Non, ça veut pas. Ok. Bon, bah. Retour à l'arche, hein. Ok. Le combat dantesque et épique. D'un humain face à un dragon mécanique. Ça rime en plus. Ça rime en plus. Ouh. Hello there. Oh. Oh. Il peut s'occuper des armes du protectorat. C'est ce que vous m'aviez dit, chers amis. Oh. Mon épée. Où est mon épée Broken Sword? Voilà. Vous me l'aviez dit, c'est génial. Je vous aime. Si ça marche. Oh, to mend. Mais comment je suis censé faire? J'en sais lui parler avec ça dans la main, non? Comment je suis censé faire? Je lui donne? Je la glisse? Normalement, si. C'est bien celle-là, un Broken Broadsword. Donc, normalement, en fait, il devrait me donner une quête. Bon, on va bien voir. On va bien voir, ce n'est pas grave. Il faut que je rende la quête ici, tout simplement. Hop, je suis tellement fier de toi.
Après tout ce que tu as fait, je sais que tu seras, que tu au niveau du challenge auquel tu fais face. Tout comme la femme que vous avez, que tu as à nouveau battu, enfin combattu. Mon vieux journal devrait te donner quelques réponses. D'accord, ok, pourquoi pas. Je prends la quête. Oula! Oula! Ah, je peux pas décliner! Ah! Ouverture de l'arche. Il y a quelque chose que je dois te dire, mon cher. Et quelque chose que je dois te montrer. Il est temps pour moi de te demander le plus que je ne t'ai jamais demandé avant. Es-tu prêt pour cette dernière tâche? Es-tu prêt pour cette tâche? Je crois que tu es prêt pour cette tâche, n'est-ce pas? Ok. Ouh. Cinématique! Tellement rare! Celle des humains qui reste? Je me rappelle plus si on a eu celle des humains. Normalement, non. C'est ce qui power sa magie. C'est ce qui power son truc, tous les coups. Il ne reste plus qu'un artefact. Oui! Et en accord avec mes recherches, avec nos recherches, on n'a aucune donnée enregistrée sur le dernier artefact. Correct. La raison, c'est qu'il n'a toujours été dans notre possession. Oh, d'accord. Le maître Mielpeur que je tiens est le seul de ce modèle-là, on va dire, entre guillemets, de cette façon-là, de ce truc-là. C'est l'original, le Master Manipulator. Waouh, c'est génial. Et il semble que c'est aussi un artefact donné aux humains. D'accord. Putain, je le veux. Il est stylé. Oh, dedans, il y avait l'artefact. Ah, dommage. J'aurais bien aimé l'avoir, ce Master Manipulator. Oh, la porte se brise. D'accord, non, ouf. Portail vers la porte des étoiles. C'est la porte des étoiles, chers amis, j'avais pas fait gaffe. Je suis stupide. Nous sommes dans Star Trek. Traverse les larches et détruit la ruine. Oula. Oula. Vous n'avez pas peur. Ah, mais pour ça, il me faudra mon épée. Ah bah, 10 tech cards. Tiens, bah, je les ai sur moi. Ouh. Unpowerment? What the fuck? Elle a pas l'air hyper puissante, mais... Oh! Oh! J'ai le sabre laser de Luke! Oh, c'est épique! Ok, je l'aime, cette épée. C'est bon. Bah, il s'en est passé des choses. Faut qu'on vienne ici. Faut qu'on revienne ici. Pour la suite. Mais pour ça, j'aimerais m'habiller en conséquence. Je vais le faire avec vous. Hop. Faut que je retrouve toute l'armure. Voilà. Hop. Et normalement, il y avait aussi une cape avec ça. La cape du protectorat. Devons la retrouver. Tiens, il y a un objet extrêmement important ici que j'avais pas vu, pardon. Normalement, il y a la cape qui va avec. Il va falloir la retrouver. Ça va être compliqué. La cape du protectorat, où est-elle? Où est-ce que je l'aurais posée? La voici. Hop. Voilà. Nous sommes habillés comme n'importe quel héros du protectorat. Nous avons l'épée qui va avec. L'épée d'ailleurs, regardez, qui ressemble à un amateur manipulateur. Regardez, mon amateur manipulateur. L'épée en question, en fait... L'épée est un matter manipulateur techniquement. Et donc c'est le matter manipulateur qui augmente la force de l'épée. Oh la vache, c'est stylé. C'est tellement stylé. Bon, par principe, on va quand même aller tester cette épée, voir ce qu'elle fait comme dégâts avec le clic droit. Parce que là franchement, moi j'ai la hype. En tout cas, nous sommes parfaitement équipés. What the? Attends, il est pas devant. Boum! Crac! 128, ça va? C'est potable? Et ici, bam! 128 aussi, d'accord. J'ai un coup longue portée aussi fort que le coup courte portée. C'est magique, c'est la fête, c'est génial. J'aime ce jeu. Ok. On remonte.
Eh bien écoutez chers amis, du coup je pense qu'on va aller se faire cette dernière mission, je pense que ce sera la dernière ou en tout cas une des dernières dans le prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc pour être les liens dans la bannière de la chaîne, quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Peut-être qu'entre temps je vais aller chercher un Nova Kid. J'ai une adresse, j'ai des coordonnées pour un système et une planète. Pour aller normalement potentiellement trouver un saloon pour des Nova Kid. Peut-être que j'utiliserai entre deux pour histoire de ramener un Nova Kid dans le vaisseau avant d'aller plus loin tout simplement. Encore une fois les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens et yoop.